Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers enfants et bienvenue dans ce dimanche du... Eh non, je me suis foiré, ce n'est pas le 10, c'est le 11. Eh oui, on se brave, la date n'est pas bonne comme 80% des dimanches, hein, parce que je l'ai fait le samedi. Bref, alors, vous pouvez le voir face à ce vieux diapo qui date d'une époque ancestrale, des premiers dimanches, nous allons parler des Shiny. Des let's play, des vidéos spéciales, c'est juste parce que c'est dans le sommaire, mais on n'en parle pas. Il y en aura pas. Comment on fait pour passer? Alors, les Shiny, voilà. Comme vous l'avez pu le voir hier, du coup, pour vous, j'ai trouvé, oui, messieurs, mâle et femelle. Donc, je chasse à l'heure actuelle d'une anaconda. Je ferai ensuite. Je pense que j'irai faire mouton mini-ange, l'un des deux, le premier qui tombera. Ensuite, il faudra que je retourne faire des œufs, parce que ma logique de shiny œuf, shiny reset, enfin rencontre œuf, rencontre reset, rencontre œuf, rencontre reset, suivant ce schéma qui me permettra théoriquement de faire des choses variées jusqu'à ce que je les ai tous en fait. Donc je sais pas, soit je fais, soit je, parce qu'en fait les œufs, au final il y a pas tant d'espèces que ça à faire par œuf, à part les starters, Fantirme, parce que je n'aurai plus l'occasion de faire Fantirme à partir de maintenant, mis à part par œuf. Soit je fais Fantirme par œuf. Soit je vais pas me faire chier. Je pense que j'irai refaire l'Armeléon par œuf. S'il tombe rapidement, je refais un deuxième l'Arméléon par derrière, histoire d'avoir la famille intégrale. Et voilà. Et je pense que. Je vais quand même tenter de faire Corillon en rencontre. Hein. Il est à 5%, comme Canardichaud, ils sont en valeur. Canardichaud, je vais le refaire en sauvage. Hein. Je l'ai déjà fait une fois, je le referai. Par contre, je pense que je ferai que Canardichaud quand je ferai ça, parce que faut vraiment être ultra concentré pour le faire. Parce que d'ailleurs, je me demande si Corillon ce sera pas trop le cas aussi. Mais j'enlèverai la musique parce que Monsieur Diamond, expert des jeux Pokémon, des plus mauvais jeux Pokémon, hein, notamment avec la 5G et tout ça, m'a prescrit une option pour désactiver la musique du jeu qui n'est pas dans le menu options et qu'il faut aller débloquer dans un bâtiment de merde parce que Game Freak ils se sont dit, mais c'est trop cool là, de jouer avec de la musique. Non! Non, mais putain, dans le menu options, je dois avoir toutes les options. Il faut pas. C'est comme si je devais chercher un bâtiment pour changer la résolution de mon écran, quoi. Non mais arrêtez d'être con, quoi. Bref, on dirait les menus cachés comme si, comme il y avait sur Wii Sport, quoi. Alors que, je veux dire, oui, bon, sur Wii Sport, t'étais pas censé les trouver ces menus. Mais bon, là, c'est le menu options pour la musique. Je suis censé changer la musique comme je le souhaite, les effets sonores et les bruitages, et les doublages. Bref. Voilà. Et après, je sais pas ce que je ferai après cet œuf. Ça sera forcément soit Mélisande, soit. Quoique. Bon, j'en sais rien. Ce sera soit Mélisande, soit Moumouton, si j'ai pas eu l'un des deux. Ou soit ce sera Moumouflon. Ou le chien qui court vite. Ou. Peut-être non, je pense que ce sera l'un des. Non, je pense pas que je ferai Coeliodome tout de suite. Bon, bref, on n'y est pas encore, hein, voilà. Ah oui, mais j'ai oublié d'expliquer pourquoi je fais un dimanche. Et oui, bon. Oh là là, j'ai fait les choses dans le désordre. Parce que mon sommaire est pas bien fait. Voilà, j'ai eu la flemme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour m'excuser. Donc voilà, j'ai repris le boulot. Je ne sais pas jusqu'à quand, hein. Et quand je dis je ne sais pas jusqu'à quand, c'est que ça pourrait très bien être jusqu'à les 25 prochaines années, parce que j'ai pas l'intention de vivre très longtemps, moi. Donc voilà.
Mais je serai toujours présent parmi vous. Voilà. Donc, passons, parce que les chenilles, ça va... Ah oui, alors, on l'aurait compris, les chenilles, genre, qui sont pas sur épée bouclier, ce sera ben, pendant les recherches qui ne nécessitent pas d'avoir... Enfin, voilà, je peux, quand je fais des chasses par reset, je ne peux pas faire des rencontres sur TS. Donc voilà. Donc, les chasses que je fais sur Diamant Perle, ce sera les troupeaux. Et une fois que j'aurai tous les troupeaux, bah, je referai toutes les routes à la recherche de tous les Pokémon. Parce que bon, j'ai l'intention d'avoir quand même les 493. Enfin, si tu peux pas les avoir, tu peux pas tous les avoir, mais avoir tous les Pokémon de la 1 à la 4G, enfin, le plus possible sur Diamant Perle ou Platine. Et HGSS pour ceux qui. Voilà. Ou que je trouve plus utilisé sur HGSS. Donc voilà. Les let's play maintenant. Alors, j'ai. Bon, voilà ce qui est prévu au cours de l'année. Voilà. Bon, déjà, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, le let's play prendra fin à la fin du mois d'avril. Je crois que c'est. Bon, c'est le lundi. Voilà, je vais vous dire ça. C'est le 27? C'est le lundi 26. Avril 2021 pour la dernière semaine d'avril. C'est parfait. Ce sera le 33e et dernier épisode où j'aurai battu l'intégralité des boss de Dark Souls. De Dark Souls 2, pardon. De toute façon, j'ai battu tous les boss de Dark Souls. Au mois de mai, si le jeu n'est pas reporté ou je ne sais quoi, Resident Evil 8, village. Je ne me suis pas spoil le jeu ni rien. Je ferai sûrement la version PC, hein, parce que c'est un FPS. Enfin, oui, c'est un FPS, mais bon, voilà. Enfin, tout ce qui nécessite de tirer, même si c'est un TPS ou quoi, sur console, je sais pas jouer avec une manette. Donc, même si la PS5, ce sera plus confortable. C'est pour ça que, par exemple, Elden Ring, je ne sais pas si je le ferai sur PC ou PS5. Ça dépendra de ce que les deux versions vont proposer et ça dépend aussi de. Est-ce que j'ai envie de me tartiner le jeu avec une manette pas adaptée pour jouer à des jeux? Parce que la manette de. Enfin, des manettes PlayStation. C'est des manettes qui sont faites pour des gens qui ont le pouce. Enfin, là, quoi. C'est pour des gens avec 6 doigts. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir encore une manette aussi à chier. Bon. Voilà, je veux dire. Ça, c'est bien. Là, les sticks asymétriques, c'est bien. Voilà, la croix directionnelle là. Oh, regardez, c'est parfait là. La série X, c'est parfait. Là, on a la meilleure manette qui soit faite, la même chose. Au lieu de nous sortir vos. Elle est où ma manette de. Bon, je la trouve plus. Mais au lieu de sortir ces espèces de grosses merdes là, c'est dégueulasse. Oh, elle est ignoble cette manette. Putain, elle a fait la guerre. Voilà. Arrêtez ça là. Même Nintendo, ils ont compris qu'il fallait arrêter d'être con et ils ont repris le même système. Alors certes, leurs sticks ils sont à chier, leurs boutons ils sont à chier, leur croix directionnelle est plus la merde. Mais bon, ils ont fait un minimum d'efforts en copiant quoi. Même si c'est quand même eux qui ont instauré ce genre de standard, hein, avec la manette de GameCube. Bref, même si Ah, non mais pas, c'est vraiment Nintendo qui a même instauré l'emplacement des boutons. Hein. Donc, ils ont même instauré un truc. Qu'ils arrivent même plus à refaire aujourd'hui. Ils sont obligés de copier aux autres. Bon. Bref. Resident Evil au mois de mai. Je sais même pas quand est-ce que le jeu il sort. Je sais pas s'il sort au début mai ou fin mai. Je ne sais pas, je le découvrirai. De toute façon, je ne vais pas l'acheter maintenant, j'ai pas d'argent. Voilà, on l'achètera quand le salaire tombera. Ce qui fait plaisir de se dire ça. Ensuite. Alors là, ça va dépendre de la sortie de Elden Ring. Mais je pense que je serai obligé de le faire. Parce que bon, Resident Evil 8, il n'y aura pas 30 épisodes comme Dark Souls. Hein, alors, si le jeu se rapproche plus d'un Resident Evil 7, ce qui a l'air d'être le cas, quoi que tu me diras, il se rapproche énormément de Resident Evil 4 aussi. Hein. Tu me diras, Resident Evil 4 était très très long aussi. Hein, donc, bon, il y aura sûrement une dizaine d'épisodes. Peut-être plus. Donc je pense que ça peut vous occuper tout le mois de mai. Enfin, tout le mois de mai, non, ça dépend, je sais pas quand est-ce qu'il sort le jeu. On va voir ça. J'aurais dû faire ce travail de recherche avant. Hein. Alors, Resident Evil 8. Il sort le 7 mai. Bon, il sort début mai, c'est parfait.
Le 7 mai, c'est quand? C'est un mercredi. Non. C'est un vendredi. Oh, bah après, il y a le week-end derrière. Oh, bah je pourrais tourner plein d'épisodes, c'est bien. Donc vous aurez sûrement le premier épisode. Bah vous l'aurez le. Hein, vous l'aurez le. Bah vous l'aurez le 8, le 8 mai en fait. Je tournerai un épisode le 7 mai au soir quand je rentrerai du boulot. Et vous pouvez le regarder le lendemain à 10 h. Voilà. Et tout le week-end, j'essaierai de faire le jeu intégralement. Je pense pas que le jeu ira plus loin que les 15 h. Ça va quoi, faut arrêter. Dark Souls 3, donc je disais, ça va dépendre de la sortie d'Elden Ring, mais je pense que je le mettrai vers le mois d'août. Parce que Elden Ring va sûrement sortir cette année. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va en fait, je vais attendre juin. Parce que je pense qu'il sera officiellement. Enfin, que la date sera donnée au mois de juin, plus ou moins vers la période de l'E3, comme à peu près l'an dernier, hein, ce qu'ils ont fait. Sachant que. Je sais pas si c'est Microsoft qui a eu les droits de diffusion. Ouais, c'était Microsoft qui a eu le droit de diffusion. Et qu'ils ont dit qu'ils feraient partie de l'event numérique. De l'E3 qui. Bon, l'E3 c'est fini, je pense, hein, clairement. Même s'ils reviennent en physique. Ah, je sais pas, je pense que c'est terminé. Mais bon, on aura peut-être un semi. Un tiers du semi-E3 qu'on a eu l'année dernière, quoi. On verra. Si le jeu est prévu pour avant septembre, je balancerai Dark Souls 3 directement après au mois de juin, quoi. Tout est déjà tourné, tout est déjà monté. J'ai juste à faire. Juste à l'uploader, quoi, tout simplement. Là, j'ai pas de travail à faire sur cette play. Tout est fini. Un let's play qui date de 2019. Voilà. De fin 2019. Donc, à cette époque, le coronavirus venait à peine d'arriver. Oh, ça date, putain. Voilà, et après Elden Ring selon où il se place. Alors il y a beaucoup de rumeurs sur le jeu. Beaucoup de rumeurs qui disent que le jeu sortirait première partie 2022 aussi. Moi, j'en sais rien. Parce que bon, le jeu il va quand même sortir dans cette période-là. Hein, je pense, d'ici entre septembre et mars 2022, je pense que le jeu va sortir. Et ensuite, il y aura un petit let's play sur Pokémon Diamant Étincelant sur Eresezio Plus, bien évidemment, tout ça c'est sur Eresezio Plus. Je n'attends rien de plus que ça, que ce qu'on nous a montré. Et on verra si c'est toujours aussi bien. Pokémon Diamant Perle, voilà. Et s'ils ont bien foutu le truc sur la Switch, ce qui a l'air d'être assez casse-gueule quand même. Hein. Parce que quand un jeu est pensé avec deux écrans, le foutre en un seul écran, voilà. Je suis convaincu que c'est un truc peut-être prévu pour téléphone. Hein. Parce que sur téléphone, ça aurait. Je veux dire, tu tiens ton téléphone comme ça, tu vois, à vertical. Donc on aurait très bien pu avoir vraiment deux écrans avec. Je sais pas, tu vois. Ouais, nous verrons bien. Donc voilà, ce diaporama touche à sa fin parce que les vidéos spéciales, il n'y en aura pas. Enfin, du moins, elles sont pas prévues. Hein. Enfin, mis à part. Le problème, c'est que je peux pas vous faire une vidéo la collecte. Enfin, franchement, là, déjà, il n'y a pas eu grand-chose depuis la dernière. Qui est sorti dans la version spéciale de fin d'année de 2021, de 2020. Et surtout, bah, je peux plus rien mettre. Donc voilà, là vous avez déjà tout vu. Hein. Voilà. Après, s'il y a d'autres vidéos, s'il y a genre plus ou moins comme ce qu'il y avait eu avec Gartic Phone ou
J'ai cru que j'avais sorti. Ah oui, il y a des, bien sûr, des conférences. Oui, bien sûr, les conférences de l'E3. On les fera. Tout ça. Oula, je vais trop vite. S'il y a des petites vidéos comme le maître de la K-pop ou le prince des commentaires, bien sûr qu'il y aura des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, je ne pense pas avoir oublié grand-chose de plus. Ah, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de jeux d'horreur qui sont prévus hein, cette année. J'ai toujours pas fait The Medium. Il y a Ghost. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Bah, le mec qui avait fait Resident Evil, justement. Non, mais. Ouais, c'était Resident Evil. C'est pas Ghostwire Tokyo, un truc comme ça? Ça sait plus. Ah, c'est vrai. Ouais, il y avait Returnal, mais Returnal. Il sort que sur PS5 et jouer un TPS avec la manette. Je ferai pas de l'espèce sur ça, je pense que je le ferai dans mon coin. Et puis voilà. Ah putain, c'est compliqué avec la manette. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce dimanche. Le dernier dimanche remontait quand même à novembre 2020. On est en avril. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur RSSUSH pour voir tous les shiny de la 8G. Hein, voilà. Parce que c'est le principe. Ce sera le fil conducteur de cette année. Hein. Il est clair, si je me débrouille bien, si, enfin, ça pourra pas être le cas. Ah, en vrai, dans 2 ans, je pense que je les ai tous. C'est sûr et certain, dans 2 ans, j'ai tous les shiny 8G. Parce que là, en vrai, il manque. J'en ai quoi? J'en ai. Alors, si on compte pas les mâles et femelles, j'ai 42 espèces différentes. Sur la petite centaine qui sont chassables. Donc, voilà. Et sur le CGO Plus, bon, vous savez ce qu'il va y avoir. Abonnez-vous. Pour ceux qui veulent autre chose que du Pokémon. Et qui aiment bien, surtout, qui aiment bien Dark Souls, parce que, quand même, cette année, il y aura eu Dark Souls 2. Dark Souls 3 et peut-être Elden Ring. L'année dernière, je crois qu'il y a eu Bloodborne, Demon's Souls PS3, Demon's Souls PS5. On n'arrête pas. Et sur ce, je vous dis à plus dans le Twisibus.